Là, vous allez voir la Copa Sangria, il bon, faut la travailler, il faut y donner la forme au départ, tout à la main, pour la mettre dans le moule. Elle est recollée, puis il l'ouvre à chaud, avec des lames de bois. C'est tous des gestes manuels, hein. On l'aplatit, tout, une fois qu'on sent qu'elle est bien, qu'elle est prête, on la met dans le moule, on la souffle. C'est toute une technique, hein. C'est savoir-faire, si vous voulez. Au début, c'est dur, hein, parce que quand on n'a pas la technique, attention. Hein. Bon, après, ça allait tout seul. Hein. Le métier, vous l'avez dans les mains, après, ça part. Hein. C'est une chaîne, si vous voulez. Hein. Vous démarrez tout petit, vous finissez grand. Travaillez toujours avec les mêmes gars parce qu'on est habitué, si vous voulez. Alors on se connaît, on sait ce qu'on fait, on sait comment on travaille. On a à peu près la même technique, on travaille à peu près à la même vitesse. Oui, parce qu'il ne faut pas un qui court puis un qui recule. Voilà, vous ne faites rien de bon. On se connaît bien, au niveau boulot, on sera tout seul. On s'entend bien. On a une bonne entente, hein, en plus, vous savez, l'entente, ça joue aussi. Hein. Puis il faut aimer. Quand vous sortez, je veux dire, quand vous soufflez, vous sortez une carafe, vous sortez un pied de lampe, un abat-jour, vous êtes fier, quoi, vous êtes content de ce que vous venez de faire.